J'avais une société de promotion qui s'appelait Innovation et Construction. Je l'ai vendue ensuite, mais... Et puis j'achète un vieil immeuble dans un quartier qui était en pleine transformation sociale. C'est un immeuble qui est occupé par des personnes âgées qui sont plutôt issues du Carmont. Et naturellement, pour reconstruire, l'immeuble était tellement vétuste qu'en fait, finalement, il fallait, il y avait qu'une chose, c'était le démolir, le reconstruire. Et je rencontre les gens pour leur trouver des logements, enfin, etc. Et là, c'est une dame âgée qui fait une tentative de suicide. Alors, je vais la voir depuis déjà un peu plus de 6 mois, etc. Quoi. Je crois que je n'avais pas mis la pression. D'ailleurs, si j'avais mis la pression, les gens ne m'auraient pas appelé. Quoi. Donc, en fait, les voisins m'ont appelé en me disant, dites donc, il y a une occupante de l'immeuble qui est à l'hôpital. Donc, tu vas à l'hôpital. Je demande à être reçu. Le médecin qui me dit, bonjour. On va voir si la dame accepte de vous recevoir, donc elle accepte de me recevoir. Et je lui dis, mais enfin, alors elle me dit, ah mais enfin, ah oui, je savais bien que vous n'alliez pas me mettre à la porte. Mais il y a une chose que vous ne saviez pas, moi plutôt que vous ne vouliez pas savoir, c'est que le quartier que j'habitais, certes l'immeuble il est vétuste, certes, effectivement les WC étaient sur le palier, certes, seulement moi j'avais encore quelques copines quoi, qui étaient là. Quoi. Et la vie, elle vaut la peine que parce qu'en fait, on a de la relation. Sans cette relation, il n'y a qu'à mourir, quoi, etc. Alors, vous alliez me mettre dans un quartier éloigné, peu d'argent, je n'allais connaître personne. Hein, voilà. Eh bien, vous marquez une fin à ma vie. Quoi. Et alors, elle a ce mot terrible, elle me dit « Mais vous, avec votre fric, là, vous pouvez déplacer tout le monde. » Et alors, je suis sorti de l'hôpital, quoi, tout à fait bouleversé, quoi. Cette femme, elle est morte maintenant, il y a longtemps de sa belle mort, mais j'ai en fait, que ça fait plus de 30 ans, mais j'ai gardé en fait de ce moment-là en fait, le visage de cette femme et cette parole. C'était un coup de poignard et à la fois, j'allais dire que c'était un coup de grâce aussi, c'était aussi une façon de se dire, c'est elle qui a raison, quoi. C'est elle, elle qui est en situation de pauvreté, elle qui a eu une vie tout à fait difficile, c'est elle qui me montre un chemin. Quoi. Il ne peut pas y avoir des lieux pour les riches et des lieux pour les pauvres. Et là, je me suis dit, mais finalement, ce que j'ai fait pour les riches, moi, je vais le faire, en fait, aussi pour les pauvres. Je me suis dit, voilà, je vais vraiment faire de la construction, en fait, au terme de la mixité sociale. Quand vraiment, je vais faire quoi. Il faut que dans mes logements, il y ait des populations moyennes, aisées, etc. Et puis, il faut qu'il y ait des gens qui n'auraient jamais pu accéder, en fait, à ce logement. Croire un impossible pour en réaliser tout le possible, quoi. Et c'est ce qui m'a conduit, en fait, à décider à créer Habitat Humanisme et de dire qu'en fait, il n'est pas possible qu'il y ait des logements, qu'il y ait des familles, qu'il y ait des gosses hein, qui soient aujourd'hui, en fait, victimes du mal-logement. Le vrai projet de l'Habitat Humanisme, qui se décline sur un plan un peu technique, qu'on appelle, en fait, la mixité sociale, la diversité sociale, ou encore, en fait, le vivre ensemble. L'initiative d'Habitat Humanisme, c'est d'offrir des logements pour des personnes qui sont en grande difficulté sociale sans que ces logements deviennent des marqueurs sociaux. Très concrètement, ça veut dire ouvrons la ville, ouvrons des quartiers équilibrés à des familles, ou à des personnes isolées d'ailleurs en fait, qui sont en situation de grande fragilité. Nous, on construit. On loue des logements, certes, à des loyers qui sont des loyers très bonifiés par l'État, puisque le prix, le montant du loyer est de 6 euros du mètre carré. Donc, si vous avez un 50 mètres carrés, ça fait 300 euros mensuels. Avant, l'aide personnalisée au logement, hein, ce qu'on appelle l'APL, qui vient solvabiliser le loyer, mais qui ne solvabilise pas les charges. Les deux piliers de l'habitat humaniste, c'est cette réconciliation, enfin cet essai de réconciliation, entre l'économique et le social, et la réconciliation entre l'urbain et l'humain. Quoi. Comment passer des larmes, hein, je veux dire, en fait, aux pleurs de joie. En 30 ans, nous avons relogé en fait, 17 000 familles. Hein, 17 000, dont un certain nombre d'entre elles connaissaient la rue, hein,
Et donc, elles se sont retrouvées dans des, finalement, dans des perspectives qu'elles n'attendaient pas, qu'elles n'espéraient même pas. Enfin, pour elles, c'était de l'ordre de l'inouï. Hein. Donc, je crois que c'est bien cet inouï qui fait qu'il y a une forme un peu d'électrochoc. On dit, mais en fait, finalement, on ne me prend pas pour une personne pauvre. Mais quand on dit ce pauvre, en fait, c'est souvent en fait, un mot qui déclasse. Hein. Donc, en fait, mais on me regarde précisément comme une personne. Au bout de 30 ans, finalement, c'est le constat, c'est que c'est, chaque fois qu'on réussit ces opérations, eh bien, ça donne, ça permet à des gens d'être moins crispés hein, sur eux-mêmes. Hein, ça. C'est un autre regard, quoi. Apprendre à regarder, hein, et à se laisser regarder sans qu'il y ait de jugement de part et d'autre. Je pense à une opération aussi, c'est-à-dire qui est à Versailles, qui a maintenant 6 ans. On a eu aussi beaucoup en plein centre de Versailles, donc on a eu la maison Saint-Joseph, on a eu beaucoup de peine finalement à réaliser cette maison. Il y a eu aussi des oppositions fortes, etc. Et si aujourd'hui, finalement, cette maison, elle se fermait, il y aurait de la tristesse dans le quartier. Quand vous demandez aux gens, en fait, qui habitent, hein, certains venaient de la rue, etc., même certains avaient des difficultés psychologiques, etc. Mais vous avez passé vos vacances, ils vont vous répondre, mais moi, j'ai des riverains qui m'ont invité, en fait, dans leur propriété. Hein. C'était absolument impensable, ça. Enfin, je veux dire, en fait, on voit... Voilà, des choses qui sont très, très concrètes, très palpables. Il y a une sorte de joie, quoi. C'est-à-dire qu'on est sorti de la peur de l'autre, et jusqu'à découvrir que l'autre, ben, finalement, ils sont comme nous, quoi. Ils n'ont pas les mêmes ressources, peut-être, ils n'ont pas les mêmes cultures, encore que, ben, enfin, etc. Ils ont une autre culture, ils ne sont pas sans culture, ils ont une autre culture. Ben, je pense que précisément... l'immobilier, vous savez, l'immobilier, c'est le mot, il est immobile, quoi, finalement. Et ça fixe les choses, quoi, ça fixe les choses. Mais, justement, de la façon dont on peut entrevoir l'acte de construction, on peut en faire précisément une approche très, très novatrice, et celle à partir de laquelle, finalement, on suscite de nouveaux possibles. Hein. L'histoire d'Habitat Humanis, c'est une histoire de rencontre. Quoi. Constamment, on a rencontré des gens qui ont été intéressés par le projet, qui l'ont amélioré aussi. Hein. Je veux dire, en fait, c'est pas bon, simplement, c'est vraiment une équipe, en fait. Et cette équipe, elle n'a cessé de se renforcer avec la qualité intellectuelle des gens, leur qualité de cœur, etc. Et en plus, il y a une générosité, une intelligence des gens ici. Enfin, c'est assez extraordinaire. Hein. Je pense à cette femme qui a chaussé, par exemple, qui s'occupe de la communication chez nous. Je dis quand même, son salaire, quand même, j'ai presque honte. Et alors, j'arrondis son chèque, enfin, je l'améliore un peu, et elle me retourne le chèque, elle me dit, ah non, mais attendez, ben, le jour où je voudrais gagner de l'argent, moi, j'en ai pas travaillé chez vous. Quoi. Voilà. Donc si je suis là, c'est pour autre chose. Quoi. C'est absolument génial, quoi. Hein, c'est quand même génial. Quoi. J'ai été pendant 11 ans aumônier du centre Léon Bérard, qui était le centre anticancéré de Lyon. Et donc j'ai vu pendant 11 ans la mort de près, quand j'ai accompagné des gens. Des enfants, s'il y avait un beau centre de pédiatrie, etc. Et finalement, la question croyant ou pas croyant, ça je trouvais ça très très intéressant, ça m'a beaucoup aidé à réfléchir aussi. Et c'est pas tout à fait indifférent non plus au regard de l'évolution d'Habitat Humanisme. Le nombre de gens qui veulent finalement... J'ai gâché ma vie, quoi. Et j'ai dit, mais vous avez gâché quoi? Vous avez réussi ici, vous avez réussi là, etc. Oui, mais finalement, voilà, pour reprendre votre expression, ça donne une grande insatisfaction, puisque finalement, on a un peu vécu pour soi, quoi. Et donc, le temps de leur fragilité, hein, de cet affrontement à leur cancer, c'était ce temps à partir duquel, soudain, ils se mettaient à dire, mais en fait, il n'y a pas que moi qui existe, quoi, effectivement. Alors moi, ça correspond à quelque chose de très... qui me fait vivre, hein. Je veux dire, en fait, moi je suis prêtre, en plus. Pour moi, l'acte du croire, moi, c'est en fait, c'est à la fois changer, à titre personnel, hein, bien évidemment, mais c'est aussi faire changer, quoi. Donc, voilà. Et donc, ça s'inscrit dans cette activité apparemment économique, hein, je veux dire, en fait, eh bien, c'est une économie qui est traversée, hein, précisément, par cette approche du changement. Je pense que c'est aussi cette très belle anecdote, c'était l'histoire de... C'est un matin, un grand industriel lyonnais, donc je dirais naturellement le nom, et qui arrive
en disant, mais il n'y a pas... On m'avait promis une chambre individuelle. Alors il fait toute une histoire, il dit, non mais attendez voir, d'ailleurs moi il y aura mon directeur financier qui viendra tous les jours, et ma secrétaire, je dicterai du courrier, etc. Et puis alors, le hasard, ou l'incognito de Dieu, je ne sais pas, mais en fait, c'est, dans cette chambre, il y avait vraiment quelqu'un qui était vraiment en très très grande difficulté, quoi, sociale, vraiment. Alors, notre industriel tempête, etc. Donc le médecin arrive, et il dit, écoutez, si vous ne voulez pas, il faudra bien, mais vous revenez en milieu de semaine. Mais moi, je ne peux pas mettre cette personne à la porte. Enfin, j'ai en fait aujourd'hui la porte de l'hôpital, donc ce n'est pas possible. Mais il lui dit, moi, je serai quand même vous, je ne tarderai pas à faire les soins. C'est une course de vitesse, la lutte contre le cancer aussi. Donc finalement, il y va, on monte le champ. Puis je les ai rencontrés tous les deux, bien sûr, en fait. Et le vendredi, donc ça se passait lundi, et le vendredi, je leur dis à l'un et à l'autre, allez, on va à la cafétéria, on va prendre un pot, etc. Et de cet homme me dire... et dire qu'il aura fallu cette situation de fragilité pour que je regarde l'autre, cet autre, et que je découvre une richesse que je ne soupçonnais absolument pas. Quoi, hein. Et tout est transformé, quoi, hein, je crois, ben c'est ça. Et donc n'attendons pas d'être dans des situations aussi difficiles. Hein, moi, c'est ce qui me fait vraiment vivre. Et donc c'est notre humanité qui s'améliore, hein, bien sûr. On grandit dans notre humanité. La montée des précarités, hein, la question du chômage, en fait, quand il y a pratiquement 5 millions de chômeurs aujourd'hui, vous voyez ce que ça peut donner. C'est-à-dire qu'en fait aussi, cette montée des précarités, ça entraîne à la fois des ouvertures et ça entraîne des crispations. Ouverture d'un certain nombre de gens qui sont plutôt à l'abri, apparemment à l'abri des précarités, encore qu'on peut vite y tomber. Enfin, qui malgré tout, à travers des statuts sociaux, etc., se disent il faut aider, notamment dans cette prise de conscience que l'État-providence s'efface un peu, quoi, je veux dire, en fait. Et donc, devant cet effacement, il y a quand même cette grande question qui surgit. Quelle solidarité nouvelle à faire naître, hein. Solidarité nouvelle à faire naître. Et mais aussi, en fait, des fermes dures, parce que... des gens qui disent, mais nous, c'est simplement notre travail qui fait que si demain on perd notre travail, on peut être rapidement à la rue. Donc il y a quand même une sorte de... Il y a une peur. Hein. Il y a une peur de l'avenir. Hein. Naturellement, toute peur est mauvaise conseillère. Hein. Ça entraîne aussi des formes identitaires et des formes de repli aussi sur soi. Hein. Donc aussi par la même, d'ailleurs, de repli sur soi. Et de se dire, mais nous aussi, on peut connaître demain, en fait, charité bien comment. Bien ordonnée commence par soi-même. Vous, nous tous, on a quand même des relations. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas de relations. La personne pauvre, c'est, vous savez, j'aime bien, moi je suis très très marqué par un grand spirituel qui s'appelle Maurice Indel. Il fait dire à un pauvre, chez nous, on passe, jamais on ne s'arrête. Comme c'est vrai. Hein. Chez nous, on passe. Jamais on s'arrête. Finalement, il y a eu la clameur, quoi. Hein, la clameur de ceux qui disent mais nous on n'a rien. Quoi. J'aime bien l'expression aujourd'hui de notre pape François qui dit en fait il y a une mondialisation, mais c'est d'abord la mondialisation de l'indifférence. Quoi. Il dit cette société elle ne sait plus pleurer, quoi. En fait, finalement, elle ne sait plus pleurer. Et dans l'ordre de la satisfaction, quoi, finalement, ben, celui qui n'a pas réussi, bon, il se met à côté, tout au bord de la route, terminé, quoi, etc. C'est là cette stigmatisation. Enfin, la ville, elle se construit finalement à travers l'étalement des villes, et l'étalement des villes entraîne l'éloignement des plus pauvres. Hein. Donc ça, c'est vraiment, on dit non, quoi. Une belle anecdote, on vient de réaliser à Lyon une opération qui est à côté du parc de la Tête d'Or, donc en fait le quartier le plus résidentiel de Lyon, qui est angle rue Tronchère, rue Tête d'Or. Donc c'est l'immeuble, le quartier le plus bourgeois de Lyon. Puis on a eu la chance, en fait, de pouvoir appréhender un terrain dans des conditions de prix tout à fait acceptables. Et donc cette opération, on a pris un engagement, naturellement, c'est que de pouvoir réaliser une vraie mixité sociale. Donc sur les 80 logements, vous avez... la moitié des logements, un peu moins de la moitié, 45% des logements qui ont été vendus en accession à la propriété, donc avec des gens qui avaient des moyens, etc., des classes moyennes et au-dessus des classes moyennes.
Et puis, les autres logements, c'est des logements qui accompagnent, enfin, qui accueillent des personnes qui sont en situation d'isolement, notamment des personnes âgées, et qui ont souvent peu de ressources. Et donc, nous avons mis un centre de soins infirmiers qui est au rez-de-chaussée de l'immeuble, hein, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'accueillir des personnes âgées. Puis, voilà, en fait, il faut leur permettre, en fait, dans le temps, d'avoir justement ce soin et se prendre soin, leur permettant, en fait, de rester, en fait, de garder un domicile. Et que souvent, finalement, c'est la grande solitude qui entraîne aussi des dérives et qui entraîne des syndromes de glissement. Et puis alors, on a eu la chance d'avoir, en fait, un proviseur, qui était le proviseur de l'unité du parc, qui a un peu plus de 1500 élèves en classe prépa. Et ce proviseur, Pierre-Jean Bravo, dit, en fait, c'est quand même pas possible que sur ces 1500 élèves, il n'y a pratiquement aucun élève issu des quartiers sensibles, finalement. Donc il dit, c'est pas juste. Et donc il a pris son bâton de pèlerin, puis il est allé voir en fait ses collègues, ses proviseurs, dans ces quartiers précisément sensibles, en leur disant, mais alors il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas d'élèves enfin susceptibles en fait de préparer les concours des grandes écoles. Oui, on lui a répondu, bien sûr, en fait, mais seulement ils n'ont pas. Ils savent pas, ils sont ça coûte trop cher, le logement, l'hébergement est à côté du lycée, en fait, aujourd'hui dans le 6e arrondissement, qu'est-ce que vous voulez faire, bon, c'est pas à la portée, en fait. Des familles. Donc nous avons travaillé sur cette opération et nous avons créé en fait un foyer qui accueille 27 étudiants. Alors bien sûr, on voit bien qu'on est encore dans l'ordre du laboratoire. En fait, ce n'est pas la réponse, mais c'est en fait en tout cas un élément de réponse qui permet de désenclaver, en fait, qui permet précisément en fait, de dire on peut faire autrement. Je crois que la vraie question, notre société, elle a besoin précisément d'approches très concrètes qui suscitent un autre monde. Et donc, nous avons laissé au lycée du Parc, en fait, le soin de l'attribution de ces logements, c'est pas nous, hein, c'est en fait. Et nous assurons simplement le back-office, en fait, la gestion. Et les loyers, c'est 160-170 euros mensuels avant APL. Donc, en fait, on voit bien qu'on est dans des approches à partir desquelles il y a quelque chose de possible. Le site de la reconversion des prisons Saint-Joseph et Saint-Paul. S'il y avait eu que les deux structures associatives, l'université et Habitat Humanisme, on ne serait pas arrivé. Là, ça a été aussi finalement un entrepreneur et qui a mis ses cadres, etc., qui nous a tous aidés. Et puis on est arrivé à sortir un projet, on a répondu à l'appel à l'appel à idées, on a répondu ensuite à l'appel à projet. Et en fait, le travail était était très très professionnel, que finalement, et puis il y a eu un préfet intelligent qui a aussi dit, mais moi je ne vais pas simplement sur ce concours de la reconversion des prisons, comment passer d'une symbolique de la fermeture à une symbolique de l'ouverture? La symbolique de l'ouverture, ce n'est pas le fric. Et donc, en fait, tout le monde a travaillé pour qu'en fait, sur ce concours, précisément, celui qui remporterait le concours, ce n'est pas celui qui mettrait le plus d'argent, c'est celui qui aurait le projet le plus novateur sur le plan social. Voilà un bon projet, je veux dire, en fait, qui donne de l'enthousiasme, je veux dire, en fait, et qui a réuni. Alors, on peut parler effectivement de cette puissance, c'est-à-dire, en fait, cette puissance, elle est cette reconnaissance, mais reconnaître, c'est toujours faire naître, et la vie, elle est sacrément puissante, c'est ça la naissance, c'est ça, la puissance de la vie, bien, qui fait naître un projet où il y aura un campus universitaire, 1500 étudiants, nous, on fait une résidence étudiante, plus 40 logements, 31 logements, mais conçus pour accueillir des personnes qui, au sortir de l'hôpital, ne peuvent pas bénéficier d'hospitalisation à domicile parce qu'ils n'ont pas de logement et donc en fait ils sont dans la grande pauvreté, ou qui sont tellement seuls qu'on ne peut pas y avoir le médecin, là-bas n'a pas accès, enfin facilement en fait naturellement malade. Et donc nous allons demander à nos étudiants d'assurer le prendre soin, et nous sommes en train de travailler avec les hôpitaux, et nous terminons l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph qui est en face, finalement aussi d'apporter toute la logistique soin. Donc en fait, là, alors on voit bien effectivement l'expression, vous pouvez la retenir, elle est juste, cette puissance créatrice, et de celle aussi qui marque une reconnaissance pour les savoir-faire de chacun, des capacités de chacun, et c'est ces capacités qu'on réunit et qui autorise en fait un projet qui aura effectivement beaucoup de sens. Le programme d'ailleurs s'appelle
la vie, pas simplement la ville, la vie grande ouverte. Et on vient de créer d'ailleurs en fait un fonds de dotation, hein, il y a deux mois, qui s'appelle AIDE, qui est l'abréviation de l'humanisme à l'épreuve de la dépendance. Et donc on aide des familles, une aide momentanée, hein, naturellement on ne s'installe pas parce qu'on n'a pas les moyens, et puis, ça ne serait pas juste, et mais pour justement des familles qui ont connu des accidents de la vie, hein, les ruptures affectives, etc., la perte de travail, fin de droit, etc., hein, le cancer aussi, enfin, des gens qui étaient des artisans, par exemple, qui perdent, qui ne veulent plus continuer à travailler, etc., s'entraînent, on ne sait pas bien, s'entraînent des difficultés absolument majeures. Et donc, on vient aider des familles à prendre en charge une partie, non pas du loyer, mais des charges. Je pense directement à une famille syrienne, hein, qui a les trois enfants, dont le troisième enfant est gravement malade, et on paye 150 euros mensuels pour les charges. Voilà. Alors on ne le dit pas trop, parce qu'en fait aujourd'hui il y aurait des milliers et milliers de gens, hein, qui nous appelleraient, donc on serait pas, donc la réponse ça serait non, quoi, ça serait tragiquement non, quoi, hein, voilà. Et ce matin d'ailleurs j'ai fait un courrier auprès d'une grande compagnie d'assurance pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver précisément sur des contrats qu'il y ait des dotations par rapport à ce fonds, etc. Voilà, donc constamment il faut chercher. Il y a eu des oppositions fortes, il y a eu des recours, hein, il y a même des gens qui, en fait, il y a une personne qui dans un immeuble qui est en face de l'opération qu'on réalisait, qui a dit non, mais il faut vendre parce qu'en fait, on va perdre complètement la valeur de notre bien, quoi. Donc, on voit des situations qui sont aussi aberrantes. Hein. Et là, c'est injuste, en fait, finalement. Et on est obligé de faire un procès des routines de la discrimination, parce qu'on a dit, mais attendez voir, là, en fait, à côté de notre immeuble, il y a un immeuble de bureau qui a un bâtiment de prestige. Là, vous n'avez pas fait de recours, en fait. Et naturellement, le promoteur, il a respecté le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, comme nous avons respecté, en fait, ce plan d'urbanisme. Et puis, il y a un immeuble aussi à côté qui est où il y a 8 étages et pratiquement, il n'y a que 10 logements. Donc, vous voyez, en fait, c'est une sorte, en fait, d'hôtel particulier. Enfin, là, vous n'avez pas été ferme, en fait, vous n'avez pas fait de recours. Alors, pourquoi? Parce que nous, on va accueillir des pauvres. Alors, on a dit non, c'est pas possible. Donc, on a engagé une procédure au titre de la discrimination. Et là, finalement, on a obtenu gain de cause. Moyennant quoi, en fait, on a pu réaliser cette opération. Le vrai sujet dans ce feu de l'action, c'est qu'il y a un défi qui nous est finalement que nous devons relever, c'est le changement d'échelle. Si nous ne le relevons pas, eh bien finalement, faisons attention de ne pas donner cette illusion, hein, qu'on a fait plein de choses. Vraiment. On aura fait des choses, mais elles ne seront pas suffisantes. Je ne suis pas dans une situation de satisfaction parce que j'entends plein de SOS. Quoi, hein, c'est-à-dire, tous les jours, je reçois des situations un peu dramatiques. Quoi. Mais aussi tous les jours, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas en capacité de répondre pour ouvrir des portes. Quoi. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'un peu d'angoissant, quoi, quand même. Hein, de dire, c'est laisser les gens, en fait, aussi, parfois, se noyer, quoi, hein, se noyer. Moi, je suis guidé par deux choses, par l'écoute. Hein, je veux dire, en fait, ce nombre d'hommes et de femmes... Parfois l'adolescence, si on entend ça. Il n'y a donc personne pour entendre et personne pour comprendre. Alors on comprend bien, mais je veux dire, si on n'est pas en capacité d'entendre, ou si on entend, mais si on écoute, mais finalement il n'y a pas de réponse, bon, je veux dire, en fait, vous entendez simplement des gens se noyer et vous dire, bah, finalement, vous ne m'avez pas lancé, en fait, aussi, cette bouée, quoi. Ne pas accepter l'indifférence. Je sais très bien que je n'allais pas pouvoir loger tout le monde, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire. Hein. Et donc de rester dans cette perspective, de pouvoir être chaque fois dans des approches qui donnent de l'espérance quand même. Et qui donnent de l'espérance et par là même de la joie, de cette joie d'entreprendre, de dire oui, il y a des possibles. Il faut rêver, quoi. Rêver. Et je crois que ce monde manque de rêveurs. Et quand il y a des rêveurs, mais qui ne sont pas des doucereux, hein, c'est en fait qui sont capables de mener un combat, eh bien finalement,
Il y a de l'ouverture, il y a un infini, il y a quelque chose qui se propose à nous, il y a un inouï en tout cas qui se propose à nous. Quoi. Hein, bon. Ne restons pas dans cette situation de ce regard tout fait, qui fait qu'on écarte, qu'on juge, etc. Je me rappelle de cet SDF justement qui m'avait dit oh, c'est pas grave de ne rien avoir. Ce qui est grave, c'est de ne compter pour rien. Quoi. Comme c'est juste, quoi. Hein, c'est ce regard à partir duquel finalement l'autre découvre qu'il existe, quoi. Faire exister. Et nous, comment on existe? On n'existe pas simplement parce qu'en fait on a un compte en banque. La vie elle est faite, on n'est pas toujours sur des crêtes, hein, donc, on tombe aussi. Je crois qu'en fait la question de la précarité, même de la misère, ça appelle finalement à être des chercheurs de sens et de dire nous ne pouvons pas nous contenter simplement de dire non. Et donc il faut essayer de trouver des réponses crédibles, hein, et même parfois ça peut apparaître un peu utopique. Moi j'aime bien cette approche de l'utopie, parce qu'en fait l'utopie, l'étymologie du mot, c'est un lieu qui n'existe pas, mais précisément s'il n'existe pas, on a à le faire exister. Mon père a fait la camp de concentration, quoi. Donc et là, il a très peu parlé, hein, en fait. Mais cet homme a été touché, mon père a été touché, par à la fois des saints, hein, et des salauds. Quoi. Et il a découvert aussi à travers ces saints, il pouvait d'ailleurs être croyant ou pas croyant, il a trouvé aussi, pas, mais des êtres qui étaient en fait... Qui restait dans l'acte de création, quoi. Dans l'acte de création, quoi. Y compris dans ces lieux qui étaient précisément des lieux complètement décréés, quoi. Et alors, cet acte de réconciliation, c'est vraiment pour lui ce qu'il a fait vivre. Et je crois que ce qu'il nous a laissé un peu en héritage, c'est précisément de nous dire à ses enfants, allez, soyez des acteurs de réconciliation. C'est fait de rencontre, quoi. C'est, en fait, là, c'est des personnes qui étaient sur Saint-Étienne, qui finalement ont entendu parler de cette approche d'habitat-humanisme, un peu novatrice. Hein. Mais eux-mêmes, ils étaient déjà engagés dans la question sociale, sinon ils ne seraient pas venus me voir. Et donc, ils avaient bien cette recherche de réconciliation entre l'humain et l'urbain, mais ils ne voyaient pas bien comment, sur le plan économique, on travaillait sur cette réconciliation. Donc, ils me rappellent, ils m'ont fait venir un samedi matin, on a discuté, etc. Puis ils m'ont dit, bah, c'est ce qu'on va essayer de faire aussi. C'est là que j'aurais dit, mais si en fait, on faisait tous ensemble, quoi, en fait, finalement. Alors, ils ont réfléchi, ils ont dit, d'accord, donc on a créé Habiter Humanisme Loire, etc. Puis aujourd'hui, il y a 56 associations qui sont finalement avec une fédération. Mais c'est à chaque fois, finalement, aussi des hommes et des femmes qui ont été fondateurs de là où ils étaient de cette d'Habiter Humanisme. Parce qu'on ne va pas aujourd'hui. Moi, je ne sais pas, par exemple, sur Marseille, où il faut construire. Enfin, je veux dire, en fait, quels sont les... Alors, je vois bien un peu les choses, mais je veux dire, ceux qui ont la finesse, en fait, c'est ceux qui y vivent, donc, en fait... Et donc, on a beaucoup travaillé sur l'approche de la proximité. Il y a eu des choses qui ont quand même qui ont permis des évolutions, des ouvertures. Je pense à quelqu'un comme Louis Besson, par exemple, hein, qui a été ministre du logement. On lui doit une loi très très importante, la fameuse loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, hein, qui invitait précisément les communes qui avaient plus de 3500 habitants de réaliser 20% de logements sociaux. Donc finalement, voilà une loi qui est une loi très importante. Il y a aussi ce fameux financement très social qu'on appelle le prêt locatif aidé d'insertion, précisément, réaliser des logements qui ont une vocation, le temps de l'insertion. Mais si on fait cette insertion dans des quartiers qui sont déjà très largement ghettoisés, dans des quartiers qui sont déjà très fortement marqués par la fragilité, finalement ces quartiers ne s'en sortent plus non plus, et puis les gens qui habitent ces lieux se disent « mais finalement, cette société, elle n'est pas pour nous, elle n'est pas pour nous ». Et donc, il y a vraiment urgence à la fois de pouvoir créer cette mixité, d'ouvrir les villes. Peut-être d'ailleurs qu'il y aura un autre grand chantier à ouvrir. On n'a pas de formule aujourd'hui pour y arriver, donc on y réfléchit un peu. Mais comment arriver
à mettre aussi de la mixité dans des quartiers qui sont au contraire, alors eux aussi, très homogènes par rapport, malheureusement par rapport à la pauvreté, à la misère aussi parfois. On sait faire, un petit peu faire, je veux dire, par rapport aux quartiers qui sont des quartiers aisés, ou des quartiers de classe moyenne, pour ouvrir des logements. Finalement, s'il y avait un mot à retenir, c'est en fait l'attention à la fragilité. Et j'aime bien l'expression, en fait, ça a été pour nous en fait une sorte de fil rouge. Quand Paul Ricoeur, le philosophe, dit en fait que l'objet de la responsabilité, c'est le fragile, parce que le fragile est confié à notre garde, à notre soin.